toujours à Londres. Et il pleut sa mère aujourd'hui, c'est trop chiant. Bon, c'est pas grave, tout est quand même très beau. Ce matin, je devais manger là, mais c'est fermé. Donc, j'étais trop d'elle. Donc, je suis allée manger à Elslol. C'était un truc que j'avais noté aussi sur les, dans les réseaux que je voulais faire. C'était bon, mais c'était méga cher. Et après, du coup, je suis repassée dans le Notting Hill Bookshop. En fait, j'étais déjà venue le premier jour, donc vendredi. J'avais pas capté que c'était ça le magasin de livres de cas dans le film de Notting Hill, quoi. Mais du coup, là, j'y suis retournée en connaissance de cause et je me suis dit, waouh, c'est là qu'a été tourné le film. Le bookshop est trop mignon. Il est super agréable. Il y a une verrière, donc c'est ouvert sur l'extérieur, enfin même si c'est fermé quoi. C'était trop beau, c'est trop agréable de se balader là-dedans et ça fait plaisir de voir plein de livres que je connais. C'est pas comme dans les librairies françaises où il y a juste un tout petit rayon de livres en VO. Là c'était trop cool. Et là je marche un peu sans trop savoir où je vais. J'ai une petite liste de choses que j'aimerais voir. J'aimerais voir la porte qu'il y a dans le film de Notting Hill, la Blue Door. Il me semble que c'est pas trop loin de là. Voilà. En tout cas le quartier de Notting Hill j'adore. Je sais pas si vous m'entendez bien parce qu'il y a du vent, il y a de la pluie. C'est enfer là, c'est terrible. C'est vraiment le mauvais jour que j'ai choisi pour venir à Notting Hill parce que c'est que de la marche à l'extérieur, quoi, il y a rien de fermé. Là du coup le programme c'est que je me promène dans Circilla encore, parce que comme j'ai fait vendredi, mais là maintenant je me suis fait un vrai programme de choses à voir. Ensuite je vais voir si je trouve le marché, même si je sais pas s'il sera ouvert s'il pleut. Et ensuite en gros après avoir terminé mon tour de Notting Hill, je vais à King's Cross, j'aimerais voir la plateforme 9¾. Et après cet après-midi je vais au studio Harry Potter. Du coup aujourd'hui je vais réaliser un de mes plus grands rêves, je pense, c'est sûr. Pourquoi je dis je pense, je suis sûre. Encore une fois je suis désolée pour le son, je pense que ce sera pas top. Et ce matin j'ai tenté une coiffure bizarre parce que j'avais un bout de cheveux qui était délissé. Bref, je vais arrêter de parler, je vais reprendre mon souffle et on se reparlera plus tard peut-être s'il arrête de pleuvoir un jour. Une des rues où a été tourné le film Love Actually. Je sais pas si vous reconnaîtrez, moi je reconnais pas, j'avoue, parce que je me rappelle plus trop de la scène, mais je sais que c'est là. Donc c'est une de ces maisons là il me semble, quand il y a un mec qui vient à la fenêtre de Keira Knightley là pour lui dire qu'il l'aime. Il me semble que c'est dans cette rue là franchement elle est trop belle, même si le film a pas été tourné là. Je suis trop contente d'être venue juste pour voir ça parce que c'est magnifique, j'adore cet endroit, je pourrais trop vivre là. C'est rare en général quand je voyage que je dise que je peux vivre dans les villes que je visite parce que je me sens jamais vraiment comme chez moi, mais Londres vraiment j'adore et je me sens vraiment bien. Et je pense que ça me dérangerait vraiment pas de vivre là. Je viens de voir la plateforme 9¾, il y avait une queue de ouf pour faire des photos devant ce truc, c'est un truc assez incroyable. Et puis juste à côté il y a la petite boutique de souvenirs Harry Potter, mais c'est pas trop mon truc, je suis rentrée parce que j'aime bien l'ambiance de ces boutiques là, mais c'est pas ouf quoi. Et là du coup je vais à Houston prendre mon train pour aller au studio Warner Bros pour de vrai. Donc c'est trop bien, j'aimerais bien trouver un truc à manger aussi pour le trajet. J'ai juste un cupcake mais j'ai envie d'un truc un peu salé quand même. Là cette fois-ci je me dirige quand même vers les studios Harry Potter. Celui-là j'ai fait une petite pause, je me suis arrêtée à Five Guys. En fait de Londres pour aller au studio Harry Potter il faut prendre un train à Houston, à la gare de Houston, qui vous emmène à Watford Junction, je crois, je me rappelle plus exactement du nom de la gare où je vais là. Et quand on arrive à cette gare, il y a directement un arrêt de bus, d'un bus qui nous emmène au studio Harry Potter direct. Normalement quand on vient à Londres on va direct, quand on sort de la gare on va au bus.
Moi j'ai marché 10 minutes là, j'ai perdu une demi-heure. J'ai pris une demi-heure pour aller me chercher à manger parce que j'avais trop faim. Mon cupcake de tout à l'heure dans le train, ça m'a pas suffi. Bref, du coup là je vais rejoindre l'arrêt de bus pour aller au studio Harry Potter pour de vrai. Je rêve de ce moment depuis des semaines, enfin des années en fait finalement. Mais ça fait des semaines que vraiment j'en rêve dans mes nuits, ça me hante. Et chaque fois dans mes rêves, c'est plutôt des cauchemars. C'est genre j'arrive et puis j'ai tout à coup plus de batterie. Ou alors j'arrive et tout à coup j'ai plus de place dans mes cartes SD. Ou alors j'arrive et tout à coup j'ai plus mon ticket sur moi. Donc c'est que des trucs comme ça. J'espère que là tout va bien se passer. Parce que vraiment ça fait partie de mes rêves pour de vrai. Genre vraiment là j'ai réalisé un rêve. Je suis trop contente. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. J'ai trop hâte de voir à quoi ça va ressembler. De Londres à Watford Junction, là ça m'a pris 20 minutes en train. Enfin, en overground ça s'appelle. Et il me semble que de là, de l'arrêt de bus jusqu'au studio, ça prend 15 minutes en bus. Je sais pas du tout combien ça coûte. Faudra que je vérifie sur mes relevés de compte. Et le bus, il me semble que c'est gratuit à partir du moment où on a notre ticket pour les studios. Je vous dirai combien ça a coûté. De toute façon, je vous ferai un bilan à la fin du vlog. Donc voilà, je vais retrouver le bus. J'ai trop hâte. À voir le montage de l'intérieur. Si vous voulez pas le spoiler, ne regardez pas les prochaines images parce que là je vais tout filmer, je crois.
Et voilà, c'est tout ce que j'ai filmé pour ce 4e jour à Londres et 3e vlog. Si jamais ça vous intéresse, à la toute fin, je vous donnerai quelques nouvelles pour vous expliquer où je suis et pourquoi j'ai pas filmé depuis autant de temps. Mais bref, si jamais ça vous intéresse pas, je vais juste vous faire le débrief de ce 4e, 3e vlog. J'ai noté plusieurs choses. Déjà, je voulais revenir sur Notting Hill. J'ai adoré ce quartier. Je vous l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo et même dans les vlogs d'avant, il me semble. J'ai adoré cet endroit. C'est vraiment trop beau. Les maisons sont colorées, c'est calme, les gens sont gentils. Il y a plein de petits magasins, il y a plein de petits restaurants. C'est un endroit où il fait tellement bon vivre, je pense. Voilà pour Notting Hill et pour la première moitié de ma journée. Maintenant, je vais vous parler des studios Harry Potter. Déjà, je vous ai pas parlé du prix parce que je l'avais pas en tête au moment où je filmais le vlog, mais j'ai regardé, j'ai vérifié. Et j'en ai eu pour 60€ pour le ticket d'entrée pour les studios. Ce qui est très très important si jamais vous prévoyez d'aller au studio Harry Potter, comme moi, je voulais aller à Londres pour voir les studios Harry Potter, c'était ça mon grand rêve. Donc ce que j'ai fait, c'est que avant de réserver mes billets pour aller à Londres et prévoir mon voyage, etc., j'ai regardé sur le site des studios pour voir s'il y avait de la place, parce que c'est très difficile d'avoir des places. Il faut s'y prendre très longtemps en avance. Pour vous rendre au studio Harry Potter, moi j'avais regardé sur le site parce que c'est très bien expliqué. Ils expliquent comment s'y rendre en voiture, comment s'y rendre en transport en commun. Du coup, moi j'ai pris les transports en commun évidemment parce que j'avais pas de voiture. En gros, je vous l'ai dit plusieurs fois dans le vlog, mais j'ai pris un train à Euston, donc à la gare de Euston dans Londres, qui est juste à côté de King's Cross, donc c'est au nord-est, je dirais. De là, j'ai pris un train qui m'a emmené à la Watford Junction. Pour ça, j'ai juste tapé ma carte, j'ai pas eu à prendre de ticket. Apparemment, le gars là-bas m'a dit que c'était moins cher de faire comme ça. En gros, il y a des bornes et quand vous tapez votre carte, ça commence à vous comptabiliser les sous à partir du moment où vous tapez la carte. Donc attendez peut-être que le train soit là dans pas trop longtemps pour que vous n'ayez pas d'attente après la borne, parce que je pense que c'est ça qui a fait gonfler le prix de mon ticket du retour. Petite information si jamais ça peut vous être utile. Et du coup, de la Watford Junction, j'ai pris une navette qui va directement au studio et ça m'a pris 15 minutes. Je vous mettrai le lien de la carte qui explique comment se rendre au studio en barre d'infos si jamais ça peut vous aider. Et j'en ai eu, je crois, pour à peu près 15€ l'aller-retour. Je suis pas sûre parce que ça m'a comptabilisé aussi mon trajet de bus et de métro que j'ai pris pendant la journée, donc je suis pas exactement sûr du prix de l'aller-retour, mais il me semble que c'était dans ces eaux là si jamais c'était plus cher, c'était pas beaucoup plus cher. Un truc sur lequel je voulais revenir aussi, c'est les audioguides. Alors comme je voulais absolument visiter les studios Harry Potter dans les meilleures conditions possibles, j'ai voulu prendre un audioguide. C'était une erreur parce que déjà on n'entendait rien, enfin en tout cas moi j'ai pas une très bonne ouïe, enfin je suis sourde, et là du coup avec le bruit qu'il y avait autour, et c'était des oreillettes, enfin c'est pas des oreillettes qui rentrent dans les oreilles, c'est juste des trucs comme il y a dans l'avion là, donc j'entendais rien. Ça m'a servi à rien et ça m'a saoulé de réfléchir à comment ça marchait, etc. J'avais juste envie de profiter du moment sans me concentrer sur un truc électronique avec des images et tout, enfin c'est chiant. J'ai juste rangé dans mon sac et j'ai profité de l'environnement sonore parce qu'il y a de la musique dans, au fur et à mesure des salles dans lesquelles vous vous rendez, il y a des écrans où les gens parlent, enfin il y a des animations aussi avec des personnes qui vous expliquent les choses. Voilà, je vous déconseille l'audioguide. En plus, ça coûtait genre un truc comme 6€, ça valait vraiment pas le coup. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas trouvé d'utilité. Après, peut-être qu'il y a des choses super et que je suis passée à côté de ça, mais ça m'a pas empêché d'apprécier ma visite. Donc, je vous déconseille l'audioguide, ça sert pas à grand chose. Aussi, un truc qui m'inquiétait, et c'est une question que je me posais avant de me rendre au studio, c'était si je pouvais laisser mes sacs, parce que comme j'ai visité toute la journée, j'avais un gros sac avec appareil photo, etc., ce qui est lourd. Donc, oui, on peut laisser nos sacs, et nos manteaux, etc., à l'accueil, c'est gratuit, ils nous gardent ça, enfin, c'est des vestiaires. Par contre, comme il y a une partie à l'extérieur, si jamais vous venez pendant les périodes où il fait un peu plus frais, genre en hiver ou en automne, je vous conseille de quand même garder votre manteau et votre pull parce que vous allez être à l'extérieur un petit moment selon ce que vous voulez prendre comme photo. Il y a ça, et prenez aussi votre porte-monnaie si jamais vous voulez acheter des choses à boire, à manger, ou même si vous voulez vous ramener des souvenirs. Du coup, maintenant, ce que j'ai pensé de la visite, j'ai été un peu déçue d'être déçue sans avoir été déçue d'avoir été déçue. C'est-à-dire, mon moi petite était tellement contente, j'ai eu les larmes aux yeux directement quand je suis arrivée devant les studios. J'étais vraiment émerveillée de tout, toute la visite. Ça a duré tellement longtemps, en plus je crois que ça dure je sais plus combien de temps, je suis restée dedans peut-être entre 2 et 4 heures je dirais, parce que c'est vraiment très très long. Il y a tellement de choses à voir, il y a tellement d'informations à emmagasiner, des souvenirs à se remémorer, enfin c'est vraiment trop bien fait comme visite. Je trouve que c'est vraiment fait pour les fans, ça j'ai adoré, et la petite Emma était tellement contente de réaliser ce rêve enfin. Mais je suis peut-être plus aussi fan d'Harry Potter que je l'étais petite. Je commence un petit peu à me détacher de la série et à vraiment apprécier les films pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire que pour l'univers, pour l'histoire, pour les films, pour les acteurs, pour tout ce qui est sur les films. J'aime un peu moins les livres, j'avoue, mais j'adore quand même l'univers Harry Potter, etc. C'est un univers, c'est une saga avec laquelle j'ai grandi depuis que je suis petite. C'est un des premiers films que j'ai vu au cinéma, et c'est sorti en 2001, donc j'ai pas 3 ans quand je suis allée le voir au cinéma, et c'était vraiment mon coup de foudre cinématographique, quoi. C'était waouh. Mais je suis fan des films, passionnée des films, etc., mais j'ai pas l'impression d'être une fan d'Harry Potter comme d'autres peuvent l'être avec les objets dérivés, etc. Je suis pas une collectionneuse d'Harry Potter par exemple. Disons que j'aime, mais discrètement. Pourtant, j'ai quand même cette image auprès de mes amis, ma famille, etc., de la fan d'Harry Potter, alors que j'ai pas l'impression de l'être vraiment.
parce qu'il y en a d'autres qui le sont plus. J'ai adoré cette visite, mais je pensais que j'allais adorer encore plus. Quand je suis allée au studio Universal à Orlando pour la première fois et que je suis arrivée devant le château, je me suis mise à pleurer, mais j'étais en larmes, je n'arrivais plus à m'arrêter, rien que d'y repenser, ça me reprocure des émotions un peu quand même. Et du coup, je m'attendais à être dans cet état-là pendant toute la durée de la visite des studios Harry Potter à Londres. Mais ça n'a pas été le cas, j'ai eu les larmes aux yeux au tout début, à la fin évidemment, quand on voit le château, parce qu'en fait c'est une miniature immense, mais une miniature quand même. Donc j'ai été émue à quelques moments, j'étais trop contente de voir les choses en vrai, de voir les décors, les costumes, les maquillages, tout était trop bien fait, j'ai adoré, je trouve que c'est une excellente visite et d'un point de vue organisation touristique etc, je trouve que c'est vraiment très très bien fait. Même si j'ai adoré, je pensais que j'allais adorer encore plus et en fait je suis pas trop déçue pour moi parce que je sais que j'ai aimé fort, même si je pensais aimer plus, j'ai déjà beaucoup aimé, mais je suis un peu déçue pour tous les gens qui avaient de l'attente pour ce que j'allais vivre. C'est-à-dire que les gens sont tellement au courant que j'aime Harry Potter depuis longtemps, que ma mère par exemple a été à fond avec moi, j'avais des amis aussi qui m'envoyaient des messages pour me dire comment c'était etc, et j'étais un peu déçue de pas pouvoir être aussi excitée que j'aurais cru pour eux. Enfin, voilà, je sais pas si ça peut vous intéresser, mais en tout cas moi j'ai adoré les studios Harry Potter, la petite Emma a adoré, la grande Emma a adoré aussi, même si elle s'attendait à aimer encore plus. Mais voilà, c'était vraiment trop bien et je pense que c'est à faire au moins une fois dans sa vie si vous aimez Harry Potter, et même si vous aimez pas, en vrai c'est une expérience, on apprend tellement de choses sur les tournages et sur les techniques, enfin, c'est super super intéressant de lire tout, j'ai vraiment tout lu, j'ai passé un temps dedans, mais c'est fou. Et c'est trop bien parce que t'es entouré aussi de fans et de personnes qui avaient envie de voir ça depuis longtemps aussi je pense, donc c'est cool d'être dans un petit groupe comme ça de personnes qui vivent le truc à fond. Mais du coup j'ai fini par réaliser ce rêve. Et maintenant j'ai plus ce rêve à réaliser. Voilà du coup pour les studios Harry Potter, je crois que j'ai plus trop grand chose à dire dessus. J'espère que le petit montage de cette partie du vlog vous a plu parce que moi j'ai adoré la montée. Et quand je la re-regarde ça me donne un peu les larmes aux yeux parce que j'ai réussi à retranscrire ce que j'ai vécu je pense. Si jamais ça peut vous intéresser, comme à la fin de toutes mes vidéos voyage, je vous mets à l'écran toutes mes dépenses de la journée. Ce jour-là j'ai pas dépensé grand chose, j'ai juste mangé. J'ai pris les transports et il me semble que c'est tout, à part l'audio guide, j'ai rien acheté. Maintenant, c'est jamais pour les personnes que ça peut peut-être intéresser, je vous donne quelques nouvelles de où je suis. La dernière fois qu'on s'était parlé, j'étais à La Réunion et du coup, avant de partir de La Réunion, les 2 semaines qui ont précédé mon départ ont été un peu... Comment dire ? Pas ouf pour plusieurs raisons dont je vous parlerai peut-être plus tard, mais enfin voilà, les 2 dernières semaines n'étaient pas waouh à La Réunion. Je suis partie début juillet, j'ai dû au revoir à mon père, ma soeur et tout, et j'ai rejoint ma mère à Paris et ça c'était trop bien, on a passé 2 jours trop cool à Paris toutes les deux. Et après j'ai fait un aller-retour à Lyon pour aller chercher mes affaires que j'avais laissées chez Émilie avant de retourner à Paris, oui. Ça fait bientôt un mois qu'on est à Toronto et j'ai pas filmé grand chose parce que c'était pas facile les 2 premières semaines. Moi j'ai trouvé un travail peut-être, après il m'envoie pas le contrat là, ça fait 3 jours que j'attends qu'il m'envoie le contrat, il m'envoie toujours pas, donc je sais pas si j'ai vraiment trouvé un travail. Normalement oui, mais c'est pas sûr tant que j'aurais pas signé quoi. Ça c'est cool en vrai. Et Romain a potentiellement trouvé un travail mais à Montréal, donc si lui il est pris à Montréal, il est possible qu'on déménage à Montréal, mais qu'on déménage, on n'a pas grand chose, on a qu'à la valise, même si je vous montre voilà dans quoi on vit depuis un mois bientôt, dans les valises, à les transporter d'appart en appart. Mais c'est cool, là j'ai une trop belle vue dehors, d'ailleurs elle affiche chez qui on habite en ce moment, un appart trop bien situé je trouve, c'est vraiment trop beau dehors. Je vous raconterai ça dans un autre vlog où je vous parlerai plus en détail de notre arrivée, comment ça s'est passé etc. Là c'était juste pour vous donner quelques nouvelles parce que ça fait quand même très longtemps qu'on s'est pas parlé. D'ailleurs ça m'a beaucoup manqué de pas monter des vidéos et de pas les poster pour avoir vos retours. Ça me manque trop de pas vous répondre à vos commentaires et de pas avoir les messages sur Insta et tout. Ça fait longtemps vraiment qu'on s'est pas parlé je trouve. Je peux encore vous garantir un rythme de vidéos régulier parce que je suis pas du tout posée dans ma vie et moi j'aime bien quand les choses sont droites pour pouvoir travailler parce que sinon j'arrive pas. Et là c'est rien qui est droit. Donc je fais comme je peux. Mon devoir pour cette vidéo c'est de me dire quels sont les lieux de tournage que vous aimeriez trop visiter et quels sont les pays qui vous attirent pour les lieux de tournage que vous aimeriez visiter. Quels seraient les voyages que vous seriez prêt ou prête à faire pour visiter un lieu de tournage en particulier qui vous fait rêver depuis toujours genre. Bon, j'ai décidé aujourd'hui c'est une journée off. Pourquoi? Parce que hier on s'est couché trop tard. Ah et du coup on s'est levé trop tard, du coup on veut plus travailler maintenant qu'il est passé midi. Non mais je vais dire à tes parents que t'as pas travaillé aujourd'hui et que tu veux pas ton job à Montréal. Ouais, mais en fait on fait vivre à Toronto parce qu'il n'y aura pas son job à Montréal. Tu parlais des trucs à faire à Montréal j'imagine. Alors mais pas du tout. C'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour ce long segment de parole qui a duré beaucoup plus longtemps que ce que je pensais. J'espère que ce vlog vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, ça m'aide vraiment de savoir ce qui vous plaît en termes de montage et de storytelling on va dire. Donc dites-moi si vraiment ce que vous en avez pensé, si jamais vous voulez prendre le temps de le faire ça me ferait trop plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère vous retrouver bientôt. Je vous dis peut-être à la semaine prochaine ou dans 2 semaines ou dans 1 mois ou dans 3 mois, je sais pas. A bientôt j'espère en tout cas et bisous. Bisous.